Salut tout le monde et bienvenue dans la deuxième vidéo des vlogs déménagement, l'épisode 2. Il y a déjà Maxime qui est arrivé pour m'aider à déménager. Faut pas trop faire attention à ma tenue, j'ai enfilé ma tenue de guerrière. Et là on est en train de commencer le déménagement et je me suis rendu compte que j'avais même pas commencé le vlog. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'appartement actuellement, vite fait. Et ensuite je vais vous montrer qu'on va aller charger la voiture parce que Maxime attend dehors alors que la voiture n'est pas ouverte. Salut! Mais lui il est déjà d'attaque, j'ai même pas commencé. Et bref, du coup voilà à quoi ressemble mon appartement à l'heure actuelle. C'est le bordel. Donc on va commencer, c'est parti. Tu sais pas foutre une plaque. C'est quoi ce bordel? Hey, regarde ce que j'ai déjà commencé à acheter de la... Il s'en fout, il va. C'est quoi? J'ai déjà commencé à acheter de la déco. À plaide. C'est pour faire sur mon lit. Oh, oh. Toujours en train de se moquer de moi-même. Pourquoi tu mets pas au moins des sièges en coucher? Ça sert à rien pour les petits trucs que j'ai simplement. De se mettre comme ça devant la caméra et de marquer comme ça. Oui, ce sera sur YouTube. Donc là, on a déjà chargé ma voiture. On attend Maxence et Marina. Regardez. Aïe, il y en a un autre qui est arrivé. Oui, vous travaillez. Vous travaillez, on va vous en offrir des pizzas, c'est ça? Ouais, quand même. Tu t'adres bien là? Non. T'as vu ou pas? T'étais penché. En plus, t'es à contre-jour, c'est parfait. Marina est arrivée. Coucou. J'ai le plaid. Bon, voilà la petite voiture dans laquelle elle pense déménager mon appart. Elle est mignonne. Énormément de plaid. C'est un cube. C'est un cube. Ça, y a rien qui est droit là-dedans? Non, il y a des vêtements. Sur la vidéo, on va voir une personne qui charge et les autres qui regardent. Bon, alors, on supervise. C'est la DDE. Bon, les livres, on peut les laisser là? C'est pas grave. C'est pour faire genre dans ma bibliothèque. Parce que tu serais mieux que je sais pas lire. Je vais chercher mon cellulaire portatif. Cellulaire portatif. Oh my god, c'est bon. Nickel. Bah descends un petit carton en même temps que ton cellulaire portatif. Et elle m'a offert des fleurs avec son copain, regardez. Ça va être trop beau, c'est le seul truc qui sera joli dans mon appartement. Première déco. C'est ça. Tu peux la refaire s'il te plaît parce que c'était pas dans le cadre. Première déco, t'es con. Mais pourquoi tu fais toujours des doigts? Et voilà le dernier arrivé. Tu veux qu'on avance? On a déjà chargé les deux voitures. Ouais. Vas-y, on va avancer. Pour le rattraper, moi je vais l'écarter du coup. Voilà. Mal, ça va voir, tu le tiens derrière. J'ai fait un frigo américain comme ça. Oula, oui. Et c'est quoi là? C'est bon, je suis là. C'est bon? Oui. J'ai peur. Attention, attention. Et tu le retiens juste en haut là avec ça. Un coup qu'on là, c'est bon. Faut que tu le tiennes à ta main gauche. Pousse-le. Tenez-le. Oh, je l'ai. Ah. Ah. C'est bon? T'as quoi à descendre là? Le matelas. On va mettre là. Ouais, on va le mettre là. Et après, je vais voir si on rentre d'abord. Et là ils ont une vie, ils ont des trucs à faire. Hein. Oui, pareil. Pousse-le maintenant, pousse. Vas-y, pousse. Vers là aussi. De toute façon, j'ai mis des vieux draps dessus, donc je m'en fous. Une vraie mise. La couronne, moi non plus. Je vais vous montrer tout ce qu'on a enlevé de l'appartement. On a déjà bien bossé. Donc le meuble télé est parti, le lit est parti, la machine est partie et les fesses de Maxime sont encore là. De Maxime, pardon.
Ça me fait trop bizarre de voir l'appartement vide. Ça fait 4 ans et demi que je vis là. Ça me fait super bizarre. Tu m'étonnes. Bon, et ben ça y est, vous vous entendez, ça résonne. Il reste 2-3 trucs, mais là on va faire du coup un premier aller. On va faire l'état des lieux à 16h, il est 15h32. Et ensuite... Salut. Salut. Tu déménages ? Ouais, je me casse. Ah, moi aussi. C'est vrai ? Je te jure, c'est vrai. Je disais, il est 15h30, donc du coup, état des lieux à 16h dans le prochain appart. Donc là, on va y aller. Par chance, il fait beau. Il nous reste 2-3 trucs et donc du coup on va faire un aller-retour après pour prendre le dernier truc qu'il y a à prendre. Mais ils ont pris la télé. Bon bref, voilà, je vous emmène avec moi, on y va, direction le nouvel appartement. En voiture ? À la base. Bon du coup, état des lieux dans 5 minutes, 4 minutes. Et ça y est, ça décharge, il y a Marie qui est arrivée. Vas-y, envoie la vaisselle, Marie. Envoie la vaisselle. Filme ta tête en même temps qu'on envoie. Vous êtes qui a de film ? Filme ta tête. Vas-y, vas-y. Tu vas bien. Oh putain, ma vaisselle. Ça passe, le déposeur par la fenêtre. Bon, du coup, là, on a déchargé la voiture de Marina. Le camion est en train d'être déchargé par les gugus sur le balcon. Et nous, on va aller décharger ma voiture. Tu viens ? Attends, il me faut mes quatre voitures peut-être. Attention, attention. Oh putain. Mais pour toi, ça glisse de mes doigts. Oh. Allez, c'est bon. C'est bon. Merci pour l'accueil. Merci. Oh là, tu peux y aller faire tomber par la fenêtre. Ça me fait chaud au cœur. Mon lit est fait, je vais pouvoir bien dormir ce soir. Merci. Voilà à quoi ressemble actuellement mon salon. C'est une catastrophe, c'est le bazar. Du coup, là, ce que j'aimerais bien faire avant d'aller à la douche, c'est juste ranger un peu, juste mettre les cartons sur le côté. Déjà, ce que je peux commencer, c'est prendre les deux valises et les mettre dans le placard de l'entrée, là. Et je pense qu'après je vais prendre ma douche finalement. Je vais aller dormir, je pense, tranquille et puis on verra le reste demain, hein. Et ça y est, les copains sont partis. Il est 22h je crois. Je suis fatiguée. Là je vais aller prendre une bonne douche. On a mangé à l'extérieur. On s'est fait un petit kiff, on a mangé tous ensemble à l'extérieur sauf deux qui ont dû partir plus tôt. Donc on est le lendemain du déménagement. Je suis actuellement au milieu des cartons. Bref, je vous ai pas clôturé le vlog hier soir tout simplement parce que ce matin, j'aimerais bien vous prendre avec moi pour, on va dire, libérer l'espace. C'est-à-dire que j'aimerais mettre tous les cartons de ce côté-là, je vous montrerai après, là où il y aura le canapé plus tard, mais vu que j'ai pas encore commandé le canapé, donc on va mettre les cartons là. Et du coup, j'aimerais bien mettre mon meuble télé en place avec la télé, vu que le technicien vient cet après-midi pour m'installer ma nouvelle box. Donc voilà, c'est parti. Alors voilà à quoi ressemble le salon actuellement. Et du coup, je vais vous montrer la cuisine de l'autre côté. Voilà. Donc autant vous dire que c'est le bazar. Donc
Sachant qu'à 10h, entre 10h et midi, il y a Darty qui vient me livrer mon frigo. Donc il faut vraiment que je libère l'espace pour pas que... Parce que la honte quand même là. Contente, on m'a livré mon frigo et on me l'a installé. Les livreurs, ils viennent juste de partir. Je suis trop contente, c'est la première fois que j'ai un gros frigo et un congèle. Bref, trop bien. Donc faut que j'attende 2-3 heures pour pouvoir mettre des petites choses dedans. Hors caméra, j'ai également rangé cette partie-là. Mais j'ai tout foutu dans un tiroir en fait parce que comme ils arrivaient... Et j'ai installé la super plante. Là, dans cet angle, on a l'impression que l'appartement, il est rangé. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Du coup, voilà, j'ai tout rangé. Enfin, rangé, j'ai tout mis là-bas. Et j'ai essayé de trier. Donc là, il y a les vêtements, les trucs de cuisine et là-bas, le reste. J'ai demandé au livreur de mon frigo de déplacer le caisson pardon du dressing dans la chambre parce que c'était trop lourd pour moi, donc comme ça c'est dans la bonne pièce et voilà ce que ça donne. Je suis contente, ça commence à prendre forme et voilà, l'appartement est complètement vide. Oh, ça fait super bizarre. Et voilà, cet épisode 2 est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées déco aussi, je prends en commentaire. À mettre un pouce, vous abonner et activer la cloche pour manquer aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à très très vite pour l'épisode 3 des vlogs déménagement. Bisous !